is Dubai. We are here with Bombardier for another air show in 2022, believe it or not. So follow me. I need to get out of the sun. It is hot. Ladies and gentlemen. Hey guys. So NEBA is the air show in Dubai this year. And I'm here with the team. There are a ton of customers waiting to come and see the Global 7500, our flagship, the flagship of the industry. Étienne, toi, ton travail ici, c'est de répondre aux questions des clients par rapport à l'avion. Oui, surtout d'un point de vue technique. C'est probablement l'avion le plus avancé au niveau business aircraft qui se fait dans le monde. Cet avion-là peut faire des distances d'atterrissage incroyablement courtes, des vitesses d'atterrissage et de décollage incroyables. On est capable d'aller dans des endroits que n'importe quel autre avion n'est pas capable de faire. Une autre des caractéristiques, c'est tout le système de freinage qu'on a sur le global est incroyable. Incroyable. Si le vent est sorti en arrière, là, si on se met à freiner comme du monde, le vent va se rendre un petit peu partout. Moi, je ne sais pas pourquoi quand tu me regardes, tu parles de vent. OK, merci beaucoup. Salut bien. Dans quelques minutes, je vais aller sur la scène et je vais aller parler des tendances, des nouveautés en aviation d'affaires et mon sujet préféré aussi, l'éco-responsabilité, puis comment on peut pousser la technologie pour en faire davantage. Je viens de finir mon panel. C'était super intéressant, mais j'avais tellement hâte de terminer mon panel parce que on a fait venir une artiste que j'adore de Montréal. Tu veux voir? Depuis quelques temps, quand on fait des événements à Bombardier, on aime vraiment faire la promotion des artistes québécois et québécoises. Alors Valérie, parle-moi de ton expérience ici avec Bombardier. Extraordinaire. Je suis in love avec Dubaï, avec l'équipe, avec toi. Honestly, I hope you feel the pride once again because Bombardier is the most popular thing to come and see. And as usual, we dominate the show.